Bernard Jaspard, adjoint aux écoles et aux associations. Mœurs chinoises, mœurs chinois, j'ai l'honneur et le plaisir, au nom de votre nouveau maire Frédéric Alouis et de l'équipe municipale, de vous présenter nos meilleurs voeux de bonheur et surtout de santé pour 2021. Mes amis et collègues, adjointes et adjoints, vont chacun à leur tour vous exposer ce qu'ils espèrent mettre en place pendant cette nouvelle année. Comme j'ai la parole, je vais vous entretenir rapidement de mes différentes délégations. En ce qui concerne la vie scolaire, il est évident que la municipalité continuera à veiller à la bonne tenue des conditions matérielles afin de faciliter à son niveau la poursuite de l'excellent travail effectué par les enseignants et l'ensemble du personnel auxiliaire. De plus, nous soutiendrons les équipes pédagogiques dans leurs différents projets, comme par exemple le voyage éducatif des classes de CM2 en Normandie. Au niveau de la restauration scolaire, les mesures liées au protocole sanitaire sont scrupuleusement respectées et nous veillons à la qualité des repas proposés. Une commission destinée à valider les futurs menus a été mise en place et s'est déjà réunie. Dès que les conditions sanitaires le permettront, elle sera élargie à un plus grand nombre de parents d'élèves et d'élus. Le monde associatif, lui, est à l'arrêt. Les ambitions qui étaient miennes de redynamiser notre vie associative ont été brusquement stoppés. Chacun espère que bientôt tout reprendra son cours normal et que nous nous rencontrerons de nouveau régulièrement lors de diverses manifestations. Je vous laisse en compagnie de Madame Christine Hennache, première adjointe. Encore une fois, bonne année à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Même si ce début d'année 2021 a le même goût amer que l'année 2020, on se doit de rester optimiste. Bien évidemment, nous aurions souhaité tous vous rassembler pour partager un bon moment de convivialité, mais il faut encore faire attention aujourd'hui. Depuis 10 mois maintenant, on a l'impression que le monde s'est arrêté, mais vous pouvez me croire, l'ensemble de l'équipe municipale continue à travailler sur ses nombreux projets. Cette année, nous avons décidé de mettre en place la commission de citoyenneté avec des groupes de travail pour travailler principalement sur deux axes. Le premier gros projet, ça va être de relancer l'accueil des nouveaux habitants. Il nous semble indispensable d'accueillir nos nouveaux mœurs chinois, de leur présenter la ville afin de faciliter leur intégration. Le deuxième grand projet sera la mise en place d'un conseil municipal des jeunes. En fin d'année, nous avons, certains élus, eu la chance de rencontrer des élèves de primaire. Et à notre grand étonnement, on a pu voir qu'ils étaient très investis concernant le développement de la ville. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place ce conseil municipal pour qu'ils puissent participer aux grandes décisions. Au niveau des finances, aujourd'hui, il m'est difficile de vous faire un point précis puisque l'exercice 2020 n'est pas encore clôturé. De ce fait, je vous donne rendez-vous au prochain conseil municipal du mois de mars que vous pourrez voir en visio afin d'avoir une étape plus précise du budget. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2021. Prenez bien soin de vous. Merci. Et voici maintenant Madame Brigitte Martin, adjointe à la communication et au sport. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Concernant la communication, nous allons continuer d'alimenter de manière réactive le site internet, le panneau électronique sur la place, ainsi que la revue municipale Notre Ville. Nous avons investi dans l'information en temps réel avec l'application Panneau Pocket que nous vous encourageons vivement à télécharger. Nous étudions le projet d'un point unique de contact pour l'ensemble des demandes des habitants. Il me tarde de reprendre mon appareil photo et d'aller vous retrouver lors de vos activités. Je vous souhaite une bonne année. Voici Jean-Louis Lefebvre, adjoint à la sécurité et à l'urbanisme. Madame, Monsieur, bonjour. Permettez-moi en ce début d'année de vous présenter mes vœux les meilleurs de joie, de bonheur et de santé, et de vous exposer les nouvelles orientations en matière d'urbanisme et de sécurité pour l'année 2021. Le plan local d'urbanisme, qui sera validé en juin 2021, devrait permettre à la commune de développer de nouveaux projets de réaménagement de notre territoire. Rue de la Guerre, la résidence Les Capucines, en cours de réalisation, devrait être terminée en juin et permettre d'accueillir de nouveaux résidents. Après concertation avec Maisons et Cités, une nouvelle tranche de travaux pourra bientôt redémarrer sur les Hauts-de-Mœrchin. Régulièrement, des demandes de permis de construire sont déposées en mairie,
ce qui démontre l'attractivité de notre commune. Afin de garantir la sécurité des murs chinois et de conserver l'attractivité de notre commune, la police municipale travaille régulièrement en partenariat avec la police nationale. La sécurité routière est un axe prioritaire de notre politique. Elle a pour but de favoriser la sécurité dans la ville, notamment pour les piétons comme pour les automobilistes. Des règles doivent être respectées. Et c'est ce que s'efforce de faire la police municipale lors de ses divers contrôles au carrefour ou au rond-point. La traversée de Meurchin par les poids lourds reste un problème récurrent. Ce que nous nous efforçons de régulariser par des contrôles réguliers de la destination de ces poids lourds. De plus, une révision de notre plan local de circulation devrait permettre à terme de résoudre certains problèmes de sécurité et de points dangereux. Cette étude a déjà permis, en accord avec les riverains, de redéfinir de nouvelles règles de circulation dans la rue Pasteur. Dans un premier temps, en accord avec le département, une modification de la signalétique au carrefour devrait permettre de sécuriser la traversée des piétons, dont notamment les élèves à la sortie des écoles. Une étude est en cours de réalisation également pour permettre aux services du département de redéfinir des règles de sécurité sur la départementale 165. Au titre de la prévention, un partenariat avec le service de prévention du commissariat de police de Lens. Une réunion d'information et de prévention sera organisée en juin avec les élèves de CM2 de l'école Les Platanes, avec pour thème la sécurité des piétons et des cyclistes lors des déplacements urbains, la prévention et les risques d'utilisation de certains réseaux sociaux sur Internet et une approche sur les comportements violents, la morale et la citoyenneté dans notre société. Nos seniors ne sont pas non plus oubliés avec une réunion d'information prévue en septembre portant sur le rappel des règles de conduite, des nouvelles signalétiques en ville, mais aussi un rappel sur la prudence adoptée face aux risques de vol et d'escroqueries diverses. La sécurité et le respect des biens et des personnes restent un objectif essentiel que nous nous efforçons de développer dans notre commune et pour cette année encore qui reste un objectif essentiel. Je vous remercie. Après Jean-Louis, Marilyn Baillet, en charge du CCAS et des commémorations. Soyons unis. À l'occasion de la présentation des vœux 2021, je vous annonce pour le CCAS la mise en place d'un service intergénéreux avec Unicité. Unicité, une visite, un sourire, c'est le développement d'un service d'échange entre générations, avec des jeunes volontaires engagés. L'objectif du programme est de réduire l'isolement des personnes âgées recevant peu de visites. Développer les liens intergénérations avec des jeunes engagés au service civique et valoriser les parcours de vie. Favoriser le bien-être et le bien vieillir. Contribuer à préserver leur autonomie et leur maintien à domicile en leur rendant visite chaque semaine. Ensuite, perdurer le voyage senior ANCV, le plan canicule, la semaine bleue, les colis de Noël, la poursuite de l'axe social et logement et, à l'étude, un projet transport d'une navette solidaire. Je vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse année 2021. C'est maintenant Christophe Soyer, adjoint à la culture, à l'environnement et au mouvement périscolaire. Bonjour à toutes et tous. Concernant mes délégations, en dehors des activités et actions quotidiennes avec les services municipaux sur l'environnement et la culture, nous organiserons des animations tout public pendant 15 jours au mois d'avril autour de la protection de l'environnement. Nous répondons à des appels à projets afin d'avoir des financements pour l'amélioration du cadre de vie.
On relancera le concours des maisons fleuries, donc on compte sur vous pour votre participation active pour l'embellissement de Meurchat. On va faire des études et des actions sur un gros sujet qui est un problème national, mais nous sommes conscients qu'au niveau local, c'est un gros problème aussi, les dépôts sauvages. Donc on va essayer de trouver des solutions par rapport à ça. On va travailler avec les écoles et notamment rencontrer les éco-délégués pour la sensibilisation à l'environnement, car ça passe par les enfants au départ et en plus ils ont plein d'idées à nous proposer, donc ça sera super intéressant. Toujours avec les écoles, mais côté culture, il y aura des intervenants culturels qui vont aller dans les classes. On va développer la convention qu'on vient de signer avec Bovin, hein, donc, où les Bovinois ont accès à la médiathèque au prix des Meurchinois. Et nous, on accède à leur salle, notamment leur salle de sport. Donc, et pourquoi pas faire ça avec d'autres communes? On n'en demande que ça, puisque ça a un intérêt financier et au niveau service à la population. Ensuite, une nouvelle programmation culturelle avec bien sûr les animations qui vont revenir comme l'heure du conte ou le ciné-soupe et plein d'autres choses de théâtre, etc. qu'on va proposer. Vous avez vu beaucoup de sujets, nous sommes super motivés, on espère une bonne année 2021 pour permettre ça, à vous, vos proches, avec une bonne santé et un super environnement. Puis notre Benjamin, Pauline Lescouf, adjointe à la jeunesse, à la petite enfance et aux seniors. Bonjour à tous. Comme vous le savez, de nombreuses choses sont à prévoir, notamment dans le domaine de la jeunesse. C'est pour cela que je souhaite qu'en 2021, je puisse mener à bien les différents projets tels que notre chasse aux œufs traditionnelle, nos centres de loisirs, la fête champêtre ou encore les vacances, qui j'espère, cette fois, ne seront pas reportées. Je continuerai à accompagner les services de jeunesse et de la petite enfance. Enfin, je souhaite participer aux activités des seniors pour accompagner pour la première fois en tant qu'adjointe. Et je rajouterai même qu'une étude est en cours pour une future structure pour personnes âgées sur la commune. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2021 et à très bientôt. Maintenant Ludovic Montagne, adjoint aux travaux et à l'action économique. Meurchinois, Meurchinoise, bonjour. Les projets prioritaires pour 2021 en termes de travaux dans notre commune seront le remplacement progressif des éclairages publics par des éclairages LED dans nos impasses piétonnes et quartiers, la remise en état du Café du Marais pour de futurs projets, la recherche de subventions pour la réfection de la toiture de la salle des fêtes et bien évidemment, dans la continuité de nos actions mises en place, l'intervention rapide de nos services techniques pour tous travaux urgents dans notre ville et locaux communaux. Concernant l'action économique de notre ville, nous continuerons à développer notre marché hebdomadaire ainsi que notre marché de produits locaux tous les trimestres avec différentes animations. Nous redynamiserons le commerce de proximité, continuerons à accompagner, à soutenir nos commerçants face à cette crise sanitaire. C'est avec espoir et confiance que je vous souhaite à l'issue d'une année 2020 hors norme, mes meilleurs vœux pour 2021, que le chiffre 1 de cette nouvelle décennie nous apporte à tous santé, bonheur et réussite. Bonne année, prenez soin de vous et de vos proches. Et maintenant, place au discours de votre maire, Frédéric Alloy. Tout comme mes adjoints, je vous présente mes vœux de bonheur et bien évidemment de pleine santé. Nous aurions dû nous rencontrer le dimanche 17 janvier, comme il est de coutume, à la salle des fêtes de Meurchin. Et comme de nombreuses villes, aux alentours, nous avons opté pour un outil visuel. À travers les images diffusées dans notre vidéo, vous avez pu vous rappeler de quelques événements marquants de l'année 2020 auxquels vous avez pu participer ou contribuer. Ils ont été bien trop rares, il est vrai, presque tous annulés par un virus que nous avons découvert au début de l'année 2020. Même si cette année 2020, nous avons tous l'envie de l'effacer de nos calendriers, la pandémie qui a sévi l'année dernière et qui perdure encore a heureusement épargné les Meurchinois dans leur ensemble. Cependant, certains nous ont quittés, affectés par ce terrible Covid-19. J'ai une pensée pour leurs familles et leurs proches, car n'oublions pas que nos défunts nous ont quittés presque dans l'anonymat en raison de l'interdiction ou de la limitation des rassemblements au sein des édifices religieux et cimetières. Parmi ces habitants de la commune partis trop brutalement, j'ai aujourd'hui tout particulièrement en tête notre ami qui s'en est allé le 26 juin 2020.
Je pense bien évidemment à notre amie Madame Francine Kwiatkowski, partie à 2 jours du second tour des élections municipales. Merci à l'ensemble des maires chinois de s'être déplacés et d'avoir voté massivement pour notre équipe. Merci pour la confiance que vous avez su nous montrer au cours de ces 2 tours d'élections municipales interminables. Nous sommes conscients des responsabilités qui sont les nôtres. Car oui, derrière moi, derrière le maire que je suis, il y a bien un nous, une équipe composée d'adjoints et de conseillers qui travaillent ardemment au quotidien, participant aux réunions des partenaires et entités publiques, rencontrant tout comme moi des habitants, allant sur le terrain auprès des agents de la collectivité pour répondre à leurs questions et mieux comprendre leurs besoins et attentes. Je veux aujourd'hui les remercier pour le travail accompli. Un grand merci également à nos agents de la commune qui ont dû faire face depuis 1 an à des conditions de travail dantesques, à des adaptations rendues nécessaires par des changements de protocoles sanitaires incessants et aussi à un changement d'élus. Un changement d'élus avec de nouvelles façons d'agir, une envie d'être à leur côté, sur le terrain, dans un souci de complémentarité et non intrusif. Enfin, l'année 2020 aurait dû être pour nous une série de rencontres avec les habitants dans les quartiers, de réunions publiques avec les mœurs chinois, de festivités et de manifestations sur le second semestre. L'histoire de notre pays en a décidé autrement. Une seule réunion de quartier a eu lieu avec les riverains de la rue Pasteur, lesquels verront quelques aménagements arriver en 2021, comme vous l'a annoncé précédemment M. Jean-Louis Lefebvre, adjoint à la sécurité. Ces aménagements sont la résultante de travaux entre riverains et élus dans un véritable souci de dialogue et d'échange. Nous avons pu réunir les associations une fois au cours du second semestre et en avions retenu l'idée proposée par l'Espoir Tennis de Table, celle d'un téléthon en décembre, symbole de la générosité et de la solidarité qui ont marqué la commune pendant le premier confinement. Ce n'est que partie remise et nous reportons déjà cette belle initiative pour 2021. Et comme le rappelait tout à l'heure Madame Marine Bailly, adjointe aux solidarités, restons unis en 2021. L'unité sera de rigueur face aux défis de demain, face aux projets à court, moyen et long terme. Car oui, même si les temps sont difficiles, il nous est nécessaire de nous projeter. Cette projection se fera en concertation, sous peu, avec l'ensemble des élus du conseil municipal. Car elle doit tenir compte de nos capacités financières. Les prochaines séances de conseils municipaux vous permettront d'y voir plus clair. Elles continueront d'être filmées, que ce soit pendant la période d'urgence sanitaire qui, comme vous le savez, a été prolongée, mais aussi lorsque les conditions nous permettront d'ouvrir ces séances au public. Car nous nous y étions engagés auprès de vous. La communication auprès de vous et avec vous est l'une de nos priorités. Il est vrai que nous avions envisagé aussi de publier les informations de la commune sur une page Facebook officielle de la mairie. Mais encore faudrait-il avoir le personnel suffisant pour le faire. Cette idée n'étant rien écartée, juste en suspens. Sans trop entrer dans le détail, voici donc les grandes lignes de la feuille de route pour ces 11 prochains mois. Tout comme moi, tout comme l'ensemble du conseil municipal, je suis persuadé que vous aspirez à retrouver une ville propre, dans laquelle il fait bon se promener. Nous comptons bien sûr sur le civisme de chacun. Et pour aider chaque habitant à accomplir le bon geste, nous allons de nouveau équiper la ville de poubelles. En priorité, elles seront installées et disposées aux arrêts de bus. Chaque année,
la ville se dotera de nouvelles poubelles pour couvrir l'ensemble de notre territoire petit à petit. Il n'y aura donc plus aucune excuse pour jeter vos déchets sur la voie publique. En parlant de déchets d'ailleurs, il n'est pas nécessaire de vous préciser que certains de nos chemins ruraux sont couverts d'immondices et de déchets toxiques. Nous lancerons donc dès cette année une étude pour nous équiper de quelques caméras et ainsi poursuivre les auteurs de ces actes odieux pour la nature. D'autres délinquants sévissent également sur notre commune, à deux roues ou quatre roues. Ils ne respectent ni les panneaux de signalisation ni la vitesse en centre-ville. Nos policiers municipaux, aidés de la police nationale, continueront leur contrôle en verbalisant les plus indisciplinés. Enfin, conscient de la nécessité de renforcer la sécurité au carrefour, une signalétique et de nouveaux aménagements devraient voir le jour d'ici peu. D'autres secteurs de la ville ne seront pas en reste, où des marquages au sol rappelleront qu'à Meurchin aussi, il nous faut rouler à droite et partager la route avec tous les usagers. Tous ces projets, vous vous en doutez, ne pourront se réaliser qu'avec des finances saines et une gestion rigoureuse des deniers publics. Épaulée par Madame Christine Hénache, adjointe aux finances, ainsi que par le service financier de la commune, nous continuerons le travail entrepris par la mandature précédente, à savoir le remplacement des luminaires sur la commune, ce qui occasionnera pour les prochaines années des économies non substantielles. Cette année, la priorité sera donnée à l'éclairage de nos voyettes, puisqu'il en va également de la sécurité de nos agents communaux. De plus, nous mettrons un outil de suivi des contrats de gestion inexistants à ce jour. Cela nous permettra ainsi d'anticiper, pour mieux renégocier certains de ces contrats. Nous en reparlerons lors des conseils municipaux consacrés au vote du budget. En parallèle de ces conseils municipaux, des groupes de travail verront le jour en ce début d'année. Comme il a été proposé à l'ensemble délibérante lors du dernier conseil municipal, un groupe sera créé pour étudier les aides et pistes qui pourraient être explorées et mises en place afin d'aider nos entreprises qui souffrent en ce moment. Si vous êtes d'ailleurs chef d'entreprise, commerçant ou futur commerçant sur notre commune, que vous avez envie de participer à ce groupe de travail, alors n'hésitez pas à vous manifester auprès de Monsieur Ludovic Montagne, adjoint à la vie économique et aux travaux. D'ailleurs, ces deux thèmes étant souvent liés, vous aurez peut-être remarqué que nos agents du service technique sont actuellement sur la phase finale des travaux de rénovation du Café du Marais. Ce lieu emblématique de notre commune pourrait ainsi rouvrir ses portes cette année. Dans notre volonté d'associer les habitants de notre commune à ce projet de redynamisation du site des étangs communaux, nous vous proposons donc de lancer également un groupe de réflexion composé de quelques habitants et de représentants d'associations comme par exemple les chasseurs et pêcheurs. C'est encore ici un engagement que nous avions pris, vous associer pour prendre les décisions importantes. Et cette démocratie participative ne doit pas être l'affaire que d'adultes. Un exercice de style en décembre dernier, sous forme de questions-réponses avec des élèves de CM1 de l'école Les Platanes, m'a conforté dans l'idée que les jeunes meurchinois peuvent être les acteurs du présent et de l'avenir de notre commune. Aussi, à peine la commission citoyenneté a-t-elle été installée, qu'elle se réunira rapidement pour travailler sur l'installation d'un conseil municipal des jeunes. Quant à nos associations, nous ne les oublions pas. Certes, la période actuelle et les mois qui viennent ne devraient pas être propices au rassemblement. Aussi, lorsque les conditions le permettront, nous reverrons avec leurs adhérents et présidents de chacune d'entre elles un nouveau calendrier pour 2021. Car nous sommes persuadés
que notre trentaine d'associations locales saura s'unir et se serrer les coudes en s'associant pour quelques manifestations. En tout cas, c'est ici l'espoir que nous formulons, et pour que cet espoir devienne réalité, continuons chacun à respecter les gestes barrières ainsi que les protocoles sanitaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et encore une fois, bonne année.